Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous embarque avec moi pour cette petite après-midi, j'ai quelques bricoles à faire. Donc je voudrais graisser ma selle. Là je vais les mettre au pré histoire qu'ils broutent un petit peu le temps que je cure leur paddock et que je graisse ma selle. Oui mon chichi, on va sortir, oui on y va, allez. On dit bonjour à Kiki. Et puis voilà, donc je vous embarque pour une petite après-midi tranquille. Je vais voir comment sont les terrains, si le rond de longe et la carrière sont praticables, je les sortirai un petit peu. Donc voilà, je vous embarque avec moi. Du coup je vais déjà enlever la couverture à Nunus. Parce que Caro, sa propriétaire, attends Nunus, elle doit arriver. Mais déjà, en attendant, il doit avoir chaud. En plus, je vais le mettre au pré. Donc avec le soleil, ça va taper. Voilà monsieur. Là on est bien là. Oh oui, on avait un petit peu chaud avec la couve mon chat. Allez on sort les gros. Allez les gars on y va. Je suis trop content d'aller à l'herbe. C'est un tuyau mon gars, allez. Sois courageux un petit peu, t'es où Nini? Non mais regardez-moi le lit. Boulette détends-toi, j'arrive. Quoi quoi? Je te prends toi aussi, je vais pas te laisser là tout seul quand même. Oui. Allez, viens. Viens à la porte. Allez, chouchou. Mais oui. Il croit que je vais le laisser là. Il stresse parce qu'il voit plus ses potes. Non, mais sérieux. Et oh, on se calme un petit peu, non? Dis donc. Oui, on arrive, on arrive. D'accord. Franchement, cette période de l'année, je trouve que les couleurs, elles sont trop, trop belles. Bon, là-bas, il y a le gros cul à Kiki qui est en train de brouter. Mais franchement, j'aime trop. Regardez-moi ces couleurs là. Bon, bientôt il n'y aura plus aucune feuille parce que tout sera tombé. Laisse trop tard. Bon, ben nickel, ça se régale. Allez, je laisse un bon petit moment et je vais aller graisser ma selle. Du coup, une bonne chose de faite. Donc là, j'ai pris ma petite pelle. Je vais finir de curer avec Caro. Ensuite, on va aller vérifier que la carrière elle soit praticable, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et puis voilà. Donc j'espère que je vais pouvoir au moins les sortir un petit peu. Ils ont sauté. On a eu de la visite des petits sangliers. Des pavates partout dans la carrière. Ils ont fait un bordel. C'est quoi que là, t'as raison. Je sais pas ce qu'ils ont fait là, mais. Ah, mais là, il y a eu un truc, il hein. Y a eu. Il y a eu une confrontation. Mardi, là. Mais ils étaient beaucoup, hein. Oh, petit papa, t'es couchon. Bon, après, la carrière, elle est pas si pire que ça. Franchement, ça va. Non, ouais. En ayant pris la pluie, la neige, c'est moins pire que ce que je pensais. Il est pourri. Il s'est roulé. Allez, c'est parti. Il a une grosse plaque là que je suis en train de brosser du coup pour enlever la terre qu'il a mis dessus. Il en peut plus. Je crois qu'il aime bien. Oh là là. Tiens, brosse. C'est bon, je fais doucement, Bulette.
je le marche en main du coup, parce qu'en long, je ne veux plus marcher. Je crois qu'il est un petit peu en forme. Boulette quand même. Et enlève ta tête un peu là. Ouais, ouais, je vois que tu vas faire. Kiki, on va faire une séance tranquille. Je crois qu'on a un petit peu trop d'énergie pour ça. En plus, j'ai pas pris la grande longe du coup. Parce que je pense, il était tranquille en fait toute la journée, donc je pensais que ça allait aller. Mais finalement, il a de l'énergie à revendre. Donc, je vais voir ce qu'on va faire, mais je sais pas si je vais pas le lâcher. Au moins comme ça, il pourra exploser comme il veut, vu qu'il reste à côté de moi. Et qu'il part pas loin, ça va? Mais bon, il est un peu en forme, non? Ça y est, ma vie est fantôme encore. Par contre, regardez-moi aller là, les petits élèves studieux. Lui, Horus, il est tranquille. Ils font leurs petits exercices tranquilles. C'est bien ça, hein? T'es Kiro? Allez, viens! Eh bien, on attend. Allez, Kiki, on y va. On vient, on vient. Oui, très bien ça. Très bien ça. On vient, on vient. Oui. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. On pousse, on pousse. Oui. On vient, on vient. Attention, le plot. Très bien ça. Et on stoppe. Et on stoppe. Oui. On a la forme, mais on écoute quand même, nous. Dis bien, mon gars. Et on repart, on repart. Il est pas bien. Tu veux te rouler, Tekiro? T'as le droit de te rouler. Vas-y. Allez, roule-toi. Oui, vas-y. On se gratte d'abord. Roule-toi, mon chat, t'as le droit. Vas-y. Vas-y, tu peux y aller. Ah ben voilà. En fait, il n'y a rien de constructif dans cette séance. On a fait que les cons. Voilà, c'est la régale, hein. Oh putain, il va être brouillé. Oui, trop cool. Oh putain, il s'en donne un cœur joie. Oh. Eh ben dis donc, regarde là, elle est coincée. T'es trop gros, mon cheval. Non mais pour de bon quand même. Eh oui. Non mais tu vas finir par te couper en deux, n'importe quoi. Mais il va se coincer. Il y en a dans les yeux et tout. T'es Kiro. Oh putain. Encore? Eh ben. Allez, secoue-toi un coup là. Ah, tu parles. J'ai un cheval jaune. Il est plus gris, mon cheval, il est jaune. Regarde-moi ça. Non mais dans l'état que tu es, Tekiro, jusqu'à dans les cils et tout, c'est normal ça? Boulette enfin. Dans le licol, dans l'état qu'il est. Oh. Ton nez, Tekiro, ton bitu, ça va pas la tête, ça va pas la tête. On y va. Oh, tu vas, hein.
Bon, je tic. Tu peux pas être patiente 2 secondes sans faire une connerie, en fait. Non, tu peux pas. Il est fardal, ce petit. Et tu me mords pas, hein. Non, y a rien, là. T'es dans un état, mon cheval. Non, mais je vais jamais réussir à te... Non, mais il s'est mouillé, en plus. Non, mais sans déconner. Comment je vais faire pour enlever tout ça? Je vais enlever le plus gros et demain, je t'en enlèverai encore. Non, mais sérieux. Oh là là. Tu en as jusqu'à dans les oreilles, c'est normal? Oh, putain. Poulette, c'est comment il se soye, hein? Moi, je vais aller voir si des filles a été sage. Bon, ouais, nickel. On a brouté tranquille pendant que les copains, ils étaient pas là. Bon, je vais voir s'il me reste quelques petits moments avant la nuit pour le sortir un petit peu lui aussi. Je vais d'abord aller sécher Tekiro parce que sinon il va attraper froid. Faut que je me bouge. Je vais aller chercher une serviette. Voilà, je t'ai pris une serviette pour te sécher. Me fais pas genre t'as peur, hein. Je te coupe les oreilles en pointe sinon. Non mais... Sérieux quoi? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour nos petits chevaux d'amour? Mais je suis sûre que demain il va être encore jaune. Putain, en plus le sable de la carrière il tâche. Le bonheur des chevaux gluis. Lui il bouge pas lui, hein. Il kiffe. Ça le gratte de partout vu que c'est une serviette éponge. Bon, ça commence à revenir un petit peu. Pas ouf hein, de ce côté. Allez, on continue. Bon, du coup, j'ai presque fini, mais j'ai quand même mis 25 minutes. Donc, du coup, bah, forcément, il va faire nuit. Donc, j'aurai pas le temps de travailler des filles. C'est Caro qui allait me le chercher au pré. Bon, c'est pas grave, il travaillera demain. Il travaillera demain de toute façon. En ce moment, on bosse plein de choses. En plus, il est cool. Mais je vous ferai des petites stories sur Instagram pour vous montrer la séance avec des filles. En soi, je suis deg de ne pas pouvoir le travailler aujourd'hui, mais lui, il a vécu sa best life au pré. Tranquille, il a brouté. C'était bien. Il a fait du poil lui aussi. C'était bien, mon chat. Oui, on travaille demain, nous. Tiens, bonbon, mon chat. Les filles, tiens. Tiens, bonbon. Allez, on mange. Allez, Kiki. On va manger. Il va faire tout noir. Et voilà, monsieur. Il y a de la boue, c'est chiant. On va faire stabiliser là parce que c'est vraiment plus possible. Je vais faire venir... du sable ou c'est de la terre un petit peu bizarre qui est hyper bien apparemment, qui stabilise super bien les paddocks. Donc ça va arriver bientôt. Je sais pas quand, mais ça va arriver. Et j'espère le plus rapidement possible. Bon, du coup, on se retrouve dans la voiture. Je viens de finir de nourrir avec Caro. Bon, comme vous avez vu, Tekiro, il était hyper en forme. Il faut que je change mon organisation. Parce que à chaque fois que je prends Tekiro en premier, ça dure beaucoup plus longtemps que prévu. Et du coup, j'ai pas le temps de faire des filles. Donc, je crois que la prochaine fois, je vais faire des filles en premier. Ça sera mieux. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.